Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 25e épisode sur The Last of Us Part 2. Et rappelez-vous, on était en train de s'infiltrer discrètement. Et on est en plein milieu du camp des Séraphites. Enfin, à la frontière, il semblerait, entre le camp des Wolves et le camp des Séraphites. Je sais pas ce que ça va donner. Ok, c'est une fausse cinématique. Je pensais qu'on allait devoir... On allait avoir le droit à une grosse cinématique, là. En mode, bah t'es repéré, t'es foutu. Mais en fait, c'est bon. On a essayé de se la jouer discretos. Ça a moyennement marché. Encore toi. Espèce de taré. Mais qui es-tu? J'ai idée de ce que t'allais déclencher. C'est quoi? Où est-ce qu'on est? On est dans un dojo. Dans un camp de Scar. Ah, ils sont stylés leur camp, eux, par contre. J'ai l'impression qu'on va se faire attaquer. Vitesse de rechargement, stabilité, ça peut être pas mal. J'ai vu une vidéo d'un gars qui disait que fallait à tout prix privilégier la stabilité des armes. Pour la simple et bonne raison que, bah en soi, capacité c'est pas mal aussi. Mais en vrai, il faut tellement bien viser, comme ça tu rates aucune balle. J'essaye de meubler parce que là, ça stick le canon. C'est un gros délire le truc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Cadence de tir, stabilité. C'est pas dingue. Hein. On va garder. On va regarder sous le coude. Ça pourrait être avantageux. Tiens, tiens. Les balles. Ah, tu veux pas ramasser les munitions en priorité, toi? Fais voir. Pardonne-moi. Cobble. Ezra. Je vous laisse mettre la pause. Puis je sais pas comment elle peut lire ça, elle. C'est mignon. Juste un peu tordu, quoi. Ouais, c'est les wolves. T'en fais pas. Putain, leurs camps sont vraiment beaux. Hein. En fait, c'est à base de bois, de nature. J'ai un petit faible pour l'esthétique séraphite. Sans vous influencer, hein, mais... J'aime bien comment ils s'approprient... Comment le monde a changé en fait. Te voilà. Faut juste que je descende dans la rue. La rue là? Allez, ça va le faire. Mais tu sais qu'on va se faire embrouiller à tous les recoins. Hein. Tous les croisements là, c'est un fight. Hein. Oh, putain, j'allais rater ça. Incroyable. Et on est déjà au 25e épisode. Ça passe tellement vite. Tellement vite, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est des 30 minutes. J'essaierai de vous en sortir avec une bonne cadence. Parce qu'en soi, je les pré-télécharge. Du coup, elles ont juste à sortir au moment voulu. Comme ça, vous avez votre vidéo tous les 1-2 jours. Ouais, tous les 2 jours. Sauf pour ce qui est du week-end. Là, c'est un peu plus long. C'est du vendredi au lundi. Mais bon, le dimanche, vous avez quand même Coffee Talk. Donc, vous n'êtes pas sans rien. Ah, pardon. Mon mauvais. J'ai appuyé sans faire exprès. On peut se redresser peut-être. Voilà. Ok. Là, ça va s'embrouiller. Hein. Les anciens apprécieront d'avoir un camp aussi proche de la porte des martyrs. Ah ouais. Continue à descendre. Mais ça conviendra. Du coup, on devrait pas partir à la recherche des fugitives, nous aussi? Merde. Emily emmène un groupe en forêt à la tombée de la nuit. Elle les trouvera. Bien. Notre prophétesse sera seule juge de ces infidèles. Ouais. Ils serviront d'exemple aux autres. Tu vas voir que dès que je vais bouger, elles vont bouger aussi. Putain, c'est la merde. Là, si je bouge, je suis mort. Hein. On s'en est plutôt bien sorti. Juste derrière un poteau. Ah, c'est... Elle en veut, hein. Oh okay. Une petite machette, là. Ça fait bien plaisir. Oh, pardon. Je me disais, mais pourquoi elle veut pas avancer? Ah, c'est rigolo. Allez, on recommence. Ah, du coup, elle fait pas le même chemin.
Ah ouais, mais là je suis plus du tout bien placé. Là j'ai plus mon placement idéal. C'est une wolf. Putain, bah ouais. Bah, tu sais quoi, je préfère même mourir parce que là. Là c'est trop la merde. Hein. Putain, mais en fait ils m'ont mis à un endroit trop chelou. Parti. Allez, on inspecte les ruines. Elle peut pas être loin. Voilà. C'est cool, tu m'oublies assez vite, toi. Ah, c'est vraiment stylé, genre j'ai pris un coup sur la tempe. Un coup sur la tempe, du coup, j'ai une égratignure. Il est où? Attends, j'entends quelqu'un. Non, mais vous allez pas me faire le coup à chaque fois. Mais là, qui me voit? Inspecteur Gadget? Non, mais il y a quelqu'un dans cette pièce. C'est pas possible sinon. Y'a Patrick Timsit ou quoi? On voit rien. C'est affolant en fait parce que. Je sais qu'ils sont là. Mais le mode écoute est. Putain, il est tellement pas opti en fait. Bon, normalement ça peut pas débouler derrière moi. En théorie. On va essayer de pas se faire choper. Évidemment, tu viens vers moi, toi. Voilà. Tout doux. Ok, ça c'est fait. Ça me permet de voir aussi les lieux sous un autre angle. Parce que jusqu'ici, je voyais que un étage. Oh là, toi t'es énorme. Lui il va appeler ses potes. Ah ouais. Ça c'est bien. Ça c'est cool. Ah là, ils m'ont proposé le surin, j'ai même pas hésité. Hein. Crois-moi que là, j'ai pas hésité une seule seconde. Allez. Il y a l'autre au fond là qui me pète un peu les couilles. Ah, les deux au fond. Ok, c'est dur ce jeu. Et je suis même pas en difficulté survivant. Donc dites-vous bien que là. Ok, il est au fond lui. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ce serait con d'utiliser un soin maintenant. Attends. Parce que lui il fait des bails étranges. Hein. Lui, je pense que c'est le mec qui va me choper. Ok, on l'a bien contourné. Chut. Voilà. Par contre, il n'y a que des Asiates, frère. C'est un délire. C'est un délire, je te jure. J'ai l'impression de faire un génocide. Ah, vous êtes deux. Ok, il en reste une.
Enfin, une personne en tout cas. Eh, on est bouillant là, non? Il y a une personne là-bas, là. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Parce qu'elle fait pas beaucoup de bruit, elle est assez loin. Je vais garder la machette pour l'instant, ça m'a l'air assez cool. Parce que le gros marteau là... gros marteau, on n'est pas bien. Je vais prendre ça. Ça m'a l'air bon. Donc l'autre personne est vers là-bas. Je crois. Le truc c'est que je ne l'entends plus. C'est quoi l'autre truc là qu'il y a? Je peux pas la ramasser? Ah c'est une balle, ok. Une balle, un mort, hein. Vous connaissez le dicton? Ok, ça m'a l'air bon ici. Ouais. On va aller se faire la dernière. Parce que j'ai tout fouillé, il me semble. Ah oui, ok, ok. Ah mais en fait... Une fois qu'on a buté tout le monde, les pièces prennent un tout autre sens. Enfin, les pièces. Le niveau, globalement. Le niveau prend une toute autre dimension, en fait. C'est trop stylé. Parce que moi, je suis en mode, je sais pas où je vais. Ah, d'accord. Petit bâtard. Vous faites des trucs chelous, vous. Chut, chut, chut. Par contre, la caméra, c'est pas où. J'aimerais bien faire face à l'ennemi au cas où il y en ait un. Ah, ok. Il se déplace vite, hein. T'as fait ça, fiston. Allez. Voilà, mon pote. Ça fait du bien quand on peut faire un peu de discrétion, là. Voilà. Là, je vous montre un peu mes skills. Bon, on s'est fait choper plusieurs fois. Mais ce qui compte, c'est que le dernier, il s'est douté de rien. Et il est mort en paix. Voilà. Ah non, mais j'adore l'infiltration, mais c'est vrai que je trouve ça tellement dur dans ce jeu. Et pourtant, ça s'y prête bien, mais ils sont hyper intelligents. J'ai dû mettre un petit truc, je sais pas si vous l'aviez remarqué. Quand on s'approche d'eux, il y a un petit triangle blanc, là, un petit truc avec un contour. Qui m'indique s'ils peuvent me sentir ou pas. Parce que sinon, c'est impossible, hein. Ils ont des caractéristiques comme des vrais humains, presque. Bon, des fois... Pardon, des fois c'est des vrais mongols. Hein. Ça, on va pas se le cacher. Des fois, les mecs sont en mode... ah ben, qu'est-ce que c'est que ça? Et au final, ils me voient pas. Bon, on rigole. Mais on voit pas le fond du bol. Y'a plus rien à fouiller, en fait. J'ai trop bien joué. En fait, j'étais au lieu stratégique, aux endroits stratégiques. Et j'ai tellement bien fouillé en même temps. Ah, j'ai déjà une brique. Telmoze brick. Telmoyafik. Ouais, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Hein. Dans le doute, si c'est une insulte, j'ai entendu ça à la télé. Voilà. Le mec, il se dédouane le plus mal au monde, quoi. Mais c'est la télé qui l'a dit, c'est pas moi. C'est dans mes livres. Bon, bah, on continue. Faut juste que je descende dans la rue. Là, s'il y en a d'autres, on est foutu. Hein. On est foutu. Ce qui me gênerait, c'est de passer à un endroit où j'ai oublié un collectible. Un collectible, comme on dit. Et genre vraiment rare. Mais bon, j'ai pas l'impression. Ah, il y a des gens.
Comment ça, il y a des gens? Je vois pas d'ennemis, moi. D'accord. Oh la vache! Mais t'es énorme, toi! Attrape-la! Encore vous? Putain, laisse-moi! Trop stylé le personnage au marteau. Je sais pas qui c'est, mais trop stylé. Ah, qu'est-ce que ça me pète les couilles les voyages dans le temps? J'aime pas trop ça. Hein. Salut. Est-ce que tout va bien? Ouais. Peut-être que je tombe mal? Non, pas du tout. Alors, quoi de neuf? Une mission en vue? Si on veut. Si on veut? Tu sais quoi? Ici, on évitait de parler d'Isaac. C'est trop beau ici. Hein. Owen. C'est quand la dernière fois que t'es venu? C'est vraiment approprié. Regarde-moi le truc. Ça. Admire un peu. Bon, après, c'est juste des lampions. Qu'est-ce que t'as fait? Pas grand chose. J'ai arraché quelque chose. Une seconde. Alice est ici? En balade avec Mel. Tout va bien pour vous? La vie de couple et tout? Ouais, c'est pas mal, enfin. Elle est vraiment gentille. Ça doit être cool après moi. Bah, sous tes airs de dur à cuire, t'as un côté tendre aussi. T'as une mémoire de merde. Sélective, tu veux dire. Ça va mal finir, ça. Mel est pas là, le chien est pas là. Enfin bref. Ouais, qu'est-ce que t'allais dire? Le mec, j'ai mis un coup de pression, il a vu mon physique, il a fait oh shit. Tu peins par-dessus la fresque de Max? Non, je la peaufine. T'as fait beaucoup de progrès depuis tes graffitis de Luciole. Eh, hey, tu sais qu'une Luciole est arrivée le mois dernier? Une ex Luciole. Elle aussi, elle a entendu parler d'un rassemblement à Santa Barbara. Et elle a des preuves pour confirmer cette rumeur? Non. Étonnant. Oh! On a encore les girafes! Attendez. Oui, c'est bon, moi j'ai mon micro. Pourquoi il y a une cible ici? Je sais pas trop. C'est cool, on a les girafes. Il a pas fini. On a le lion, je sais pas ce que ça signifie. Le lion, ça fait deux fois qu'on le voit, n'empêche. Dans cet aquarium. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a des cibles un peu partout. Est-ce que je peux leur mettre des patates, là? C'est moi ou tu t'entraînes en secret au tir à l'arc? C'est peut-être toi. Moi, je peux pas sortir d'armes. Tiens, tu fais des grenades. Ou de la pisse. Ça a l'air... compliqué. Touche pas à ça. Abigail. Tu fais des expériences? Pas loin. Je fais de l'agneau de luxe. Si t'es gentil, je t'en donnerai. Quelle chance! Par contre, tu sais que le mec, quand il t'appelle Abigail et pas Abby. Aïe. Je dirais rien de plus, mais bon. Aïe quand même. Il y avait une porte ici, non? Ça menait au bateau, il me semble. Abigail, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que t'es la seule personne qui m'appelle comme ça? Tu vois, je te disais. T'as pas un petit dialogue à débloquer? Genre, tu vas vraiment me laisser galérer tout seul ici? Oh, trop bien, on va s'entraîner. C'est un nerf? Ah, ça explique la cible. Ouais, Mel et moi, on se fait un petit concours. Mais je suis pas sûr que ça te plairait. C'est assez compliqué. Je vois ce que tu fais. Et ça marche.
Je fais quoi? Ok. Tu vois les cibles? Ouais. Ouais. Touche-en un maximum avant la fin du chrono. Si je gagne, t'ajoutes mon nom au tableau. Ça marche. Par contre, vous avez oublié que j'étais une merde en visée ou quoi? Edine. Ouais, je suis fier de toi. Allez, c'est rien. Quoi? Et de deux. Et il t'en reste plein. Mais pardon. Oh, pas mal. Elles sont où les autres? Ok. Putain de merde. 5. Ça fait la moitié, Abby. Sérieux? Ah. Putain. C'est si dur. Où sont les autres? Mais merde! Ça en est une, ça? Non? Imagine si Isaac voyait ça. Où sont les autres? En fait, je les vois pas. Ça, c'est quoi? 30 secondes. Ouais, mais le truc, c'est que je sais pas où elles sont. Putain. Mais. Gros, j'en vois plus, hein. Ah putain. C'est pas ta faute, c'est un instrument tellement complexe. Ta gueule. T'es vraiment un connard. Plus que 10 secondes. Putain! Allez, allez! Dommage, tu t'en sortais pas trop mal! 5, 4, 3, 2. Il m'en manque une! Fais chier! J'ai Je suis sûr qu'il m'en manque une seule! Du premier coup! Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est génial! Elle est super forte! Arrête et mets-le sur le tableau! Je le ferai. Plus tard. T'as peur que Mel découvre que j'étais ici? Non, elle s'en fout. Alors mets mon nom sur le tableau, Owen. Ok, calme-toi. Oh le boss! J'ai gagné en fait. Il y a une dernière chose que j'aimerais que tu vois. Viens, c'est en haut. Le ouais, vas-y. Du capitaine du bateau. Putain, par si contre, on est ça, déjà à 25 minutes. Vu la dernière fois. Oh, tu lui as quand même pas mis un bonnet de Noël, si? Hein? Non. Mais j'avoue que ça serait marrant. Bah, c'était stressant, hein. C'est avec son tic-tac, là. Viens. Attendez. On va s'arrêter ici. Je sais que ça fait que 25 minutes, mais j'ai peur que ça lance une cinématique assez longue. Donc, on se dit à très très vite pour le 26e épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a eu de l'infiltration, du challenge avec ce petit concours de tir à l'arc là. Et puis, ça fait plaisir de revoir le frérot Owen. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et mettez la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé celle-ci. Et à très très vite, c'est promis. Ciao, ciao.